Adour, en fait, ça nous a fait plus plaisir qu'autre chose, parce que quand on m'a appris que je passais à 1h de l'après-midi, je me suis dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Finalement, beaucoup de monde était au rendez-vous. L'ambiance était au rendez-vous. C'est assez impressionnant, évidemment, Adour, parce que tu es directement devant 2000 personnes, etc. Donc voilà. Et puis c'était chaud, donc parfait. Adour, c'était vraiment bien. C'est plus que ce qu'on attendait, donc voilà, il n'y a pas moyen d'espérer mieux. À d'autres niveaux, en tout cas. C'est parfait. Le public belge, ouais, il est là, mais je pense qu'il est là depuis un certain temps, puis il se développe de plus en plus, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui soutiennent le rap belge, donc voilà, ouais, c'est clair. J'espère qu'il n'arrêtera pas de grandir et que tout le monde pourra en profiter. Ça fait chaud au cœur, c'est-à-dire que c'est pas simplement pour moi, c'est que ça fait chaud au cœur pour le rap belge de manière générale, de voir qu'il peut être soutenu, qu'il y a un public qui est là, qu'il y a un public qui s'investit, un public qui effectivement est chaud, tu vois, qui aime crier, qu'il est belge aussi, tu vois, et je crois que c'est ça l'important, c'est pouvoir aussi développer une fierté du belgicisme, tu vois, qu'on n'a peut-être pas forcément, tu vois, je sais pas si, voilà, on se prend pas trop au sérieux ici en Belgique, et voir qu'il y a un public qui est là et qui prend au sérieux des artistes ici en Belgique, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est même pas simplement les rappeurs belges, je crois que c'est les Belges de manière générale, il y a certains clichés sur les Belges, mais pas tout le monde, hein, je t'avoue, moi, en France, franchement, il y a plein de gens, ils calculent pas ces histoires-là, tu vois, franchement, pour l'instant, ouais, tu vois. Et donc, bon, après, bien sûr, il y a des petites remarques à gauche, à droite, et bon, voilà, tu vois, il y a des clichés sur les Belges, mais après, c'est pas forcément méchant, pour la majorité des gens, c'est, voilà, ils sont tranquilles par rapport à ça, donc voilà, c'est juste, voilà. Moi, c'est vrai que ces clichés existent, donc je le dis dans le morceau, et que malgré qu'on me colle ces clichés-là en tête, bah voilà, sur la tête, bah, je serais apte, enfin, en tout cas, je serais au pair représenter la Belgique, quoi, tu vois. C'est plus une fierté plutôt qu'une gêne, peut-être par rapport à ce que certains pourraient penser. Voilà. Il y a eu un certain retour par rapport à ce maxi, un retour qui me fait plaisir. Maintenant, je peux pas te parler de la qualité de mes morceaux, parce que moi, je pourrais jamais te dire qu'un morceau à moi est bien. Jamais, tu vois, je te le dirai. Donc, je laisse les gens juger. J'ai eu des bons retours, tu vois, de manière générale. Maintenant, bon, voilà, et on n'a pas eu tous les retours qui... C'est difficile, au fait, de se forger une opinion, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plus ou moins bien passé. Donc ça fait plaisir, ouais, c'est clair. Ok. Ça vient de PX. Sans la pluie. L'âme sœur, qui est là au bac. Et de manière générale, donc dans le soutien, il y a Ashgar, qui est là au management maintenant de la manière dont on peut le faire. C'est pas évident. Il y a Ebola, donc Delete Fuite et Northsiders qui sont là pour tout ce qui est graphisme. Il y a des beatmakers aussi autour. Donc que ce soit Alien pour le collectif Opaque à l'époque, que ce soit des gars comme Soul Player, des gars comme Peopleation ici en Belgique, ou encore des gars comme Soul Children, des gars comme Nizi, des gars comme Krone pour la France. Donc après j'en passe, hein, tu vois, même l'âme sœur est beatmaker et je travaille avec lui. Donc ça c'est plus ou moins pour l'entourage assez proche, j'espère que j'oublie personne. Bon, il y a des gens aussi, il y a Jack qui vient un peu pour essayer de gérer, faire beaucoup assistant technique, et il gère un peu pour tout ce qui est CD, etc. etc. Donc on essaie de s'en sortir comme on peut, on n'est pas encore vraiment professionnel non plus, mais on essaye de l'être, et avec les moyens du bord. Donc ça c'est pour mon équipe, ceux qui m'entourent. Putain que j'aime ce trou, je suis pas venu faire le clown. Ma ville fait se lever, moi je suis là pour qu'elle reste debout. Cherche pas, je suis un putain de radical, c'est notre terrain pour le reste. Ben c'est voilà, pour moi c'était exactement ce qu'on disait, donc dire simplement que moi j'étais fier de venir de Bruxelles, et plus largement, je le répète plusieurs fois dans mon show, d'être belge, tu vois. Mais sans faire de conflit, moi pour moi en fait le message il est plus national qu'international, comme je l'ai déjà dit. Pour moi c'est avant tout essayer de développer chez mon public, en tout cas, une fierté aussi nationale de la Belgique. Avant même de commencer à... Moi, je veux pas rentrer en conflit avec la France, j'ai jamais été en mode conflit, je m'en fous de tout ça. Mais c'est dire, voilà, on est fiers de ça, je vois pas pourquoi on peut pas le clamer haut et fort. Donc ça, c'était la BX Vibes, et puis après, j'ai fait un remix de BX Vibes avec d'autres MC de BX. Bien évidemment, il y en a plein d'autres à BX, plein d'autres qui déchirent.
Et évidemment, j'ai pas su réunir tout le monde. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à d'autres personnes qui rappent à BX et peut-être une invitation à d'autres à découvrir encore plus largement ce qui se fait à Bruxelles. On s'aime par deux tiens, tu parles sérieux ou quoi? Mais dites-moi qu'à dire que le rappel c'est de la merde. BX, BX, je lève le drapeau de ta vie en faisant trapper du bruit comme un putain de magnum sans silencieux. Franchement, un partage humain avec le public. Moi, je m'en fous d'un buzz, je m'en fous de la gloire, je me fous des thunes. Du moment qu'il y a quelque chose d'humain qui passe, et tant qu'il y aura quelque chose d'humain qui passe, eh ben on essaiera de continuer. Donc voilà, bonne soirée à vous. Là, je suis venu crier comme un million d'habitants. Si tu veux les clés de la ville, va falloir bouffer du béton. Te fais pas d'idée, mec, il pleut pas que de l'eau. BX à son putain de char, défoncé à mort le soir. Direction la gare, mec, je veux pas te faire un dessin. Ciment, ça reste du ciment. Je peux te montrer le côté clean ou le côté hallucinant.